Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo coiffure quand j'étais petite. Mais alors petite petite hein. Donc on va commencer par le fameux palmier. Ça on peut pas y passer. Ça, je crois que tout le monde l'a eu, enfin sauf les garçons. À moins qu'ils avaient les cheveux longs. Qu'ils ont les cheveux longs. Waouh! Et bien sûr, avec les cheveux beaucoup, beaucoup moins grands. Donc comme ça, là, ça c'est de la bombe, ça. Tu vois? Ça, tu sors comme ça en boîte, y a pas de soucis, c'est bon, tu rentres et tout. Par contre, et ça fait vachement gamin en fait. Oh. Oh my god. Bon, si je regarde pas. Si je regarde en haut, c'est parce que j'ai mon miroir là-bas. Ça va mieux. Donc, ensuite, on va séparer. Bah non, je vais faire d'abord ce que j'ai à faire en élastique. Donc, on va faire une queue de cheval en hauteur, comme ceci. Donc, ça c'est la base de la coiffure. Voilà, bon bien sûr évidemment, comme j'ai les cheveux courts et donc ça voilà, ça c'est la base, des bases. Donc ensuite, bah, la queue de cheval contre en bas, hein. Le plus classique. Donc voilà. Ensuite, on va venir séparer les cheveux en deux. Bon, à peu de choses près, c'est ça. Hey, nickel. Enfin, nickel. En regardant vite fait. Hein. Donc, bah, tout simplement les couettes. Hein. Évidemment, on peut pas échapper à la règle des couettes. Voilà le truc magnifiquement élastique. Voilà, n'en parlons pas parce que j'ai pas l'autre élastique qui suit avec celui-là, donc ça c'est bien. Ensuite, on va passer aux tresses évidemment, sinon c'est pas marrant. Je crois qu'on l'a tous connu celui-là. Maintenant c'est plus tresse hippie, tresse africaine. Maintenant c'est plutôt ça. Bon, c'est vrai qu'elle m'en faisait aussi, mais je crois plutôt vers la primaire, collège. Et bah là maintenant. Hop. On dirait Fifi dans la prairie. Fifi Bradassi. Oh my god. Ça c'était un dessin animé, ça. Je sais même plus s'ils le font encore en rediff. Je sais qu'à un moment il y avait le film qu'ils ont fait, mais je ne sais pas. Donc voilà, comme ça. Nickel. On est bien là. Ensuite, on peut pas résister à l'envie de monter plus haut les couettes. Évidemment, c'est tout de suite plus Fifi Bradassi, tu vois. Attends, j'oublie des cheveux là. J'ai une mèche rebelle ici là. Donc évidemment, on peut pas revenir à la règle. Hop, donc voilà. Pas magnifique ça. Oh my god.
C'est horrible. Donc évidemment, sans les tresses, c'est pas marrant. Aujourd'hui, j'ai fait au moins 3 vidéos. Là, j'attends qu'elles se mettent, qu'elles s'importent, parce qu'il y avait 1 heure d'importation. Donc là, je sais pas si. Dans 6 minutes, toujours. Et ben, je crois qu'il est bloqué. Hein. Je crois que le mercredi, c'est pas bon, hein, de le faire dans l'après-midi. Maintenant, je mettrai que mes vidéos le matin. Bon, le matin, il y a beaucoup moins de monde. Donc, je sais pas si c'est du fait qu'il y a du monde ou quoi, mais c'est horrible d'attendre comme ça. Ça fait genre 2 heures que j'attends. Hein. Là, il est 3h30 et j'ai toujours pas posté ma vidéo. Ma mère va rentrer. Il va falloir que je parte. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un fil barbelé et faire comme ça. Ah, c'est bon. Fichier voilà, c'est là. T'as pas cette coiffure-là, tu sors pas quoi. Après, je crois qu'elle me faisait ça à un moment aussi. Mais chez Esso, c'est rarement. C'était rare. Je crois qu'elle a peut-être fait qu'une fois ou deux fois, je sais pas. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller enlever ça. C'est horriblement horrible. Je vous fais de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!